On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le stretching et plus exactement une séance de stretching pour le bas du corps et le dos. Donc, ce sont typiquement les étirements récurrents que je fais tout le temps, on va dire une fois par semaine minimum, à distance de mes gros entraînements pour travailler la souplesse et retrouver un petit peu toute la mobilité articulaire qui pourrait être bloquée par les gros entraînements. Donc là, c'est une séance pour se faire du bien, pour prendre le temps de se poser, juste kiffer le cadre. Voilà.
Voilà, donc c'était mon enchaînement habituel de stretching pour bien travailler les jambes et le dos. Parce qu'en course à pied, en marche sportive, c'est vraiment les parties que je sollicite le plus. Donc j'ai besoin de détendre, j'ai besoin d'étirer ces parties-là pour retrouver toute ma mobilité et mon confort. Voilà, donc c'est pourquoi entre autres je travaille beaucoup mes grands écarts. Bon, d'une part, il y a la fierté de la gymnaste qui est encore capable dire quelque chose d'à peu près correct. Bon, j'ai encore des petits progrès à faire sur le placement des jambes, mais bon, bref, voilà. Donc,
c'est un peu tout ce que je travaille en ce moment. Et j'avoue qu'avec un cadre comme ça, c'est juste parfait. Donc j'espère que cette séance t'a plu. J'ai fait exprès de ne pas parler du tout pendant les enchaînements parce que je ne supporte pas, moi, quand je fais du stretching, d'avoir quelqu'un qui me blablate dans les oreilles. Je préfère largement écouter le bruit du vague, le vent de la mer, bref, voilà, être tranquille. Donc si jamais tu as des questions sur les mouvements, n'hésite pas à laisser des commentaires dans la vidéo, je t'y répondrai avec plaisir. En attendant, abonne-toi, file lire les articles du blog et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!